Alors Christophe ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Christophe, comment vas-tu ? Oh ben ça va très bien, alors... c'est la fête des amoureux. Ah oui, c'est la fête des amoureux. Tu es de quelle région, Christophe ? Ben, je suis près d'Arlon. Ah, près d'Arlon. Eh bien, écoute... C'est la région. Mais c'est la région d'Olivier, là, près d'Arlon, en plus. Ah bon ? Ah ben oui, il est quand même de là-bas, lui. Bon, écoute, donc on c'est va... C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. C'est vrai. On va appeler ta petite copine. Ah oui. Hein, donc, et puis comme ça, tu vas lui dire, donc dès que ça sonne, celle qui va certainement décrocher, puisque c'est son portable, enfin, espère. Et tu y vas, tu lui parles, nous, on n'est pas là, d'accord ? D'accord. Comme tu lui as préparé une toute belle surprise que nous on connaît mais qu'on ne sait pas encore des fois qu'elle écouterait, tu y vas tranquille. Ça va ? D'accord. Ça va sonner Christophe, attention c'est à toi dans quelques minutes, c'est le good morning. C'est Olivier qui fait le numéro, tu viens ça dure un petit peu toujours ? Ah oui. Chut, ça sonne. À toi. Oui Chris. Oui bonjour chérie. Dis, ça va ? Oui ça va. Je voulais te faire un cadeau, te dire tout simplement que je t'aime à la folie, hein, parce que c'est quand même la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Et puis alors, je voudrais t'inviter t'en ce soir. Tu t'en souviens de la Saint-Valentin ? Comment ? J'ai dit, tu t'en souviens de la Saint-Valentin ? Oui, ben, je voudrais t'inviter ce soir au Grand Rap Hotel pour fêter ça ensemble, la nouvelle, ma chérie. Ah. Écoute, Chris, je voulais te parler justement ce matin, t'étais un peu pressé, mais voilà, en fait, Pierre et moi, on se voit depuis un petit moment. Quel Pierre ? Ben, Pierre. Attendez. Non, bonjour mademoiselle, excusez-nous de vous déranger, mais on est en direct sur Radio Contact dans le Good Morning Mike, et c'est une séquence à Valentin. Écoutez, bah ça tombe bien, comme ça tout le monde saura que Chris n'est pas l'homme qu'il prétend être. Est-ce que je peux parler à Chris, s'il vous plaît ? Mais mon vieux, ma personne ne joue pas ça, Valentin ! Mais t'es une vraie salope ! Calmez-vous, attendez ! Je vais aller trouver ce Pierre, je vais me casser dans tout le monde ! Mais attends, calmez-vous ! C'est énorme. Calme-toi, souris, Pierre. Je m'en fous complètement. Je vais aller trouver et ça va aller mal. Tu peux me... Écoute, Pierre n'a rien à voir là-dedans. Pierre n'a rien à voir là-dedans, Christin. Tu dis qu'il est comme un lapin. Attendez, Christophe, calme-toi. Attendez, qu'est-ce qu'on fait Attendez. Oui, mais attends, ça peut peut-être s'arranger. Attends, deux secondes, Christophe. Mademoiselle... Excusez-moi, mais à qui je m'adresse ? Vous vous adressez à Mike et Olivier Duroy. On est dans le Good Morning Mike sur Radio Contact. On est en direct à la radio. Donc, c'est la Saint-Valentin. C'est un petit peu dommage d'en arriver de gâcher tout ça. Ouais, surtout que Christophe appelle quand même pour une chanson, te dédicacer une chanson. Oui. Et voilà. Écoute Mike, lui il appelle le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin c'est la fête des amoureux. Il se trouve que je suis amoureuse de Pierre, son meilleur ami. Oula, c'est son meilleur ami. Ah, ouais, il m'a vanté ses performances sexuelles à longueur de temps. Il avait... Bon les enfants on va vous laisser hein. Oui parce que... Mais la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, mais l'amour, c'est toute l'année, hein, Chris ? Les enfants... L'amour du sexe, voilà ce que tu es, salope, l'amour du sexe ! Attendez, oh là là ! Rentre-le ! Mais vous voyez comment il me parle ? Mais oui, Christophe, calme-toi un petit peu. Quand tu rentres à la maison, tes affaires sont dehors, tu m'entends ? Bah, il faut couper, Mike, attends. écoutez, hein, attends la main, hein ! Que ce soit Mike ou une vie, j'en ai rien à foutre. Maintenant, elle m'a trompé, elle va payer. Salut ! C'est tes affaires qui seront à la porte. Ah, mais il a raccroché, voilà. Bon ben écoutez, vous voyez, c'est impossible de lui parler. Il m'appelle le jour de la Saint-Valentin comme si c'était l'amour fou entre nous. Mais écoutez, c'est pas vrai. Il sait bien qu'il y a des choses qui vont pas, Mike. Moi j'en profite. Non, mais écoute, écoutez, nous on va quand même passer le disque. On est un petit peu, on ne sait pas trop quoi. Enfin, moi j'aimerais bien régler cette histoire. Je me fais insulter à la radio devant tout le monde. On va vous prendre hors antenne, d'accord ? On vous prend en antenne, mademoiselle. Non, je veux parler maintenant. À tout de suite.